était menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur. Alors merci donc Papa Koudou Laurent Gbagbo pour cette précision stratégique sur la personne de Dramane Ouattara qui est tout simplement un menteur. Alassane Dramane Ouattara est un menteur. Alors chers amis, chers frères et sœurs, Afrique de liberté, bonjour à vous, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour donc depuis vos différentes positions, bonjour depuis vos différents bords. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Afrique de liberté, mesdames et messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes évidemment dimanche 18 avril 2023 et c'est aussi un grand jour, un très grand jour pour tous les hommes de la planète. C'est pourquoi j'aimerais à travers donc cette plateforme panafricaine dire comme ça bonne fête à tous les pays du monde entier, que Dieu soit avec vous, qu'Allah vous assiste et qu'il vous donne vraiment le nécessaire pour que vous parveniez comme ça à maintenir, à survivre avec vos différentes familles. C'est ça aussi qui est la vérité. Que Dieu bénisse tous les hommes du monde entier. Bonne fête de paix à Papa Koudou Laurent Gbagbo. Bonne fête de paix à Papa Emery Konan Bidié. Bonne fête de paix à Alassane Dramane Ouattara. C'est ça aussi qui est la vérité. Il faut aussi souhaiter bonne fête de paix à notre ennemi, à l'ennemi de l'Afrique. Parce que c'est aussi un paix. Alors bonne fête de paix aux dictateurs, aux vieux manteaux, aux vieux brigands, aux vieux mamailleurs, à l'imposteur, à Alassane Dramane Ouattara et consorts. Bonne fête de paix à tous ces dictateurs d'Afrique. Bonne fête de paix à tous ces panafricains qui, jour et nuit, se battent pour le changement comme ça en Afrique. Bonne fête de paix au grand Assimi Goïta. Bonne fête de paix au grand Ibrahim. Bonne fête de paix pour terminer à tous ceux qui sont donc connectés sur Côte d'Ivoire 2020. Bonne fête de paix à vous qui, chaque jour, par vos partages, par vos likes, vous nous donnez cette force-là de continuer dans ce combat qui n'est pas facile. Bonne fête à tous les papas qui sont abonnés sur Côte d'Ivoire 2020. Partagez, continuez de partager, likez et surtout invitez vos amis. Invitez vos amis à s'abonner, invitez vos amis à s'investir dans le combat. Parce que comme l'a dit Mamadou Traoré tout à l'heure, on va l'écouter attentivement parce que c'est très important. Il faudrait être nombreux pour mettre fin à ce système. Nous devons nous mettre ensemble, nous devons nous réorganiser. Nous devons vraiment être très très nombreux pour sortir une bonne fois pour toutes, pour mettre fin à ce système. C'est ça aussi là qui est la vérité. Et donc, il faut aussi dire que la fête des mères continue. Alors, bonne fête des mères à toutes les mères de la planète, à toutes les mamans de Mama Africa. C'est très important. On va donc maintenant rentrer dans le vif du sujet qui est tout simplement de comment faire pour mettre hors d'état de nuire, pour effacer, pour mettre à terme, pour écraser ce système qui est tout simplement la France-Afrique. Mesdames et messieurs, Afrique de liberté, bienvenue donc sur Côte d'Ivoire 2020. Je suis tout simplement pour les nouvelles personnes qui sont connectées à cette plateforme. Je suis l'Amirak Bafé, votre humble serviteur sur Côte d'Ivoire 2020, qui est tout simplement votre chaîne sur YouTube qui vous informe sur tout ce qui se passe dans l'actualité politique en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Veuillez donc partager, liker nos directs, veuillez vous abonner massivement, mais surtout activer aussi la cloche de notification pour ne rien rater sur cette plateforme panafricaine. Alors Afrique de liberté, c'est avec un grand plaisir que ce dimanche matin, je suis donc cette caméra pour vous parler de Mama Africa à travers donc deux pays spécifiques aujourd'hui visés. Deux pays comme ça encore sous l'emprise de la France, deux pays encore contrôlés par l'Occident. Je vais parler donc du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Macky Sall et Alassane Dramane Ouattara, il faut dire que ces deux gouvernances sont dictées par les intérêts extérieurs. Mesdames et messieurs, chers amis, chers peuples d'Afrique, chers panafricains, chers panafricaines, chers peuples de Côte d'Ivoire, chers peuples du Sénégal, taguez tous les Sénégalais, taguez tous les Ivoiriens, appelez-moi ici tous les Africains, prenez vos tabourets parce que nous sommes maintenant en train de rentrer en profondeur pour vous dire ce qui se passe, pour vous dire ce qu'il faut faire.
C'est très important. Donc, je ne vais pas revenir sur mettez le pouce bleu, partagez. Vous savez hein, ce que déjà vous devez faire dès que vous vous connectez sur ce direct. Commencez donc à partager, liker, invitez vos amis, asseyez-vous tranquillement. On va parler très fort de l'Afrique. C'est très important. Donc, Macky Sall et Alassane Dramane Ouattara, c'est une gouvernance dictée par les intérêts extérieurs à travers donc ce test de Teba. Marc Aurélien, on va s'entretenir fort, très fort ce dimanche matin. Les marionnettes du petit Macron, du petit président français, ont encore frappé très fort ces dernières semaines. Qu'ont fait donc le peuple du Sénégal et de la Côte d'Ivoire pour mériter, c'est-à-dire cette malédiction? Qu'ont fait donc ces deux peuples pour mériter cette malédiction? Messieurs les chefs d'État, messieurs les dictateurs, au nom donc de toute la jeunesse panafricaine, au nom de la jeunesse africaine, nous vous demandons au nom de cette jeunesse de travailler pour vos peuples et non pour votre propre intérêt. Non seulement vous ne travaillez pas pour vos concitoyens, mais vous vous permettez comme ça de servir nos ennemis, les Occidentaux. Alassane Dramane Ouattara et Macky Sall, vous êtes une honte pour l'Afrique. Vous êtes une honte d'abord pour vous-même. Mais sachez que vous êtes aussi des traîtres. Car vous agissez contre le développement et la souveraineté de l'Afrique et de nos différents pays. C'est ça ce qui est la vérité. Regardez ce qui se passe au Sénégal actuellement à cause de l'intérêt personnel d'un homme. Alors qu'à l'époque, le Sénégal était un pays qui faisait comme ça preuve d'une diplomatie remarquable, très très remarquable dans sa politique intérieure et extérieure. Mais aujourd'hui, maintenant là, sous le dictateur Macky Sall, lui qui décriait la dictature de Ablaye Wade hier, aujourd'hui là, c'est lui-même qui veut s'imposer pour une troisième fois illégalement. Sous ce monsieur-là, regardez. Président aujourd'hui du Sénégal, ce pays commence peu à peu à devenir l'ombre de lui-même. Quand j'observe cette dégradation, j'ai envie de dire vive le Mali, vive le Burkina Faso. C'est de ça qu'il s'agit. Vive le Mali, un pays qui a fait valoir toute son autorité en chassant la France, son bourreau. Le grand Assimi Goïta les a mis dehors. Et d'ailleurs, la MINUSMA. Sans délai, ils ont demandé le départ aussi de la MINUSMA, l'ONU, c'est-à-dire prenez vos clics et vos claques, rentrez chez vous. Ce n'est pas un débat. Vive le Mali. Abat nos ennemis, c'est ça que la vérité. Je m'adresse aujourd'hui à tous les dirigeants africains. Ce ne sont pas les Français, les Chinois ou encore les Russes qui viendront nous sauver. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Alors, cessez une bonne fois pour toutes de réfléchir à comment monopoliser le pouvoir jusqu'à votre mort. Et réfléchissez plutôt à comment développer nos différents pays pour mourir dignement en héros. C'est de ça qu'il s'agit. C'est nous-mêmes qui allons nous sauver. Ce ne sont pas les Chinois, ce ne sont pas les Français. Ce ne sont pas les Américains, encore moins les Russes. Ça là, c'est ça qui est la vérité. Quelques-uns des centaines de détourneurs de fonds publics camerounais actuellement en prison. Le préjudice comme ça se chiffre actuellement en plusieurs milliers de milliards de francs CFA. Prenons donc l'exemple du Cameroun, un pays qui déborde de richesses comme le bois, le pétrole ou l'agriculture. Mais à cause de sa mauvaise présidence et d'un gouvernement corrompu jusqu'à la moelle des os et parfois incompétent, très incompétent, ce pays s'éloigne de plus en plus du développement, mais chaque problème a sa solution. Monsieur Paul Biya, cessez d'essayer d'échapper aux réalités de votre pays.
de notre pays, parce que je suis africain, le Cameroun a aussi mon pays, le Mali c'est mon pays, le Burkina c'est mon pays. Partout, ces pays qui se trouvent en Afrique, ce sont mes pays. Donc, Monsieur Paul Biya, président de mon très cher pays, le Cameroun, cessez d'essayer d'échapper aux réalités de notre pays. Monsieur Paul Biya, la solution n'est pas comme ça de changer avec des remaniements ou de mener comme ça des enquêtes d'État afin de mettre tel ou tel ministre en prison pour détournement. Au contraire, Monsieur le Président, la solution serait que vous changiez la constitution du Cameroun. Dans ce changement, appuyez-y un article sur la peine de mort. Tout ministre, secrétaire d'État ou général de l'armée, haut fonctionnaire ou cadre travaillant pour le gouvernement camerounais sera châtié par la peine de mort si celui-ci se rend coupable d'une quelconque malversation financière envers la nation. Monsieur Paul Biya, je ne dis pas qu'avec cette mesure, les détournements d'argent s'arrêteront au Cameroun, mais je suis prêt à parier que ces malversations financières se réduiront de façon considérable au sein de votre administration. D'ailleurs, les personnes qui ne s'accordent pas avec ma théorie sont des personnes qui profitent et veulent continuer à profiter du système en place. C'est ça aussi la vérité. Néanmoins, chers frères et sœurs Afrique des libertés, ne nous éloignons pas du vrai sujet du jour. Ne nous éloignons pas, chers frères et sœurs Afrique des libertés, du sujet qui nous a réunis ce jour, ce dimanche 18 avril 2023. Alassane Dramane Ouattara doit partir, et très vite. Je le répète, Alassane Dramane Ouattara doit partir et très très vite. Je ne dis pas ici que Gbagbo Laurent est le bon candidat pour la Côte d'Ivoire. Bien au contraire, aujourd'hui, on nous dit que Gbagbo, pendant son mandat, a braqué la BCAO. Donc, on l'accuse, avec des preuves flafla, d'avoir braqué la BCAO en 2011. Donc, je ne dis pas ici que Gbagbo Laurent est le bon candidat pour la Côte d'Ivoire, mais néanmoins, il faut croire que Gbagbo Laurent fait comme ça très peur aux grandes puissances qui souhaitent contrôler l'Afrique et le monde. Gbagbo Laurent les fait très très peur. Elles ont tout fait et continuent de tout faire pour écarter Laurent Gbagbo des élections en Côte d'Ivoire. Et puis parvenir, elles se servent comme ça d'Alassane Dramane Ouattara, chef d'État moribond de notre pays, la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui, chers amis, est dévoué pour servir les pays développés. Il est donc le fruit de grandes conspirations d'État contre son propre pays, la Côte d'Ivoire, mais aussi contre l'Afrique. Il veille à ce que les intérêts de ses patrons, c'est-à-dire le petit Emmanuel Macron et Papi Joe, dit Joe Biden, ne soient pas en danger. Une des raisons pour laquelle Alassane Dramane Ouattara est contre, sans toutefois le dire, à ce que les pays africains quittent le franc CFA. Que penserait donc son patron Emmanuel Macron si Alassane Dramane Ouattara commençait à militer pour cette évolution? Afrique de liberté, chers frères et sœurs, chers amis, il faut partager, il faut liker, c'est très important. Envoyez la vidéo très loin, invitez vos amis. En définitive, inutile de vous dire qu'Alassane Dramane Ouattara n'est qu'une vulgaire marionnette attachée aux idéologies américaines et européennes. Et si celui-ci se manifeste subitement et décide d'agir pour l'Afrique et contre les multinationales, alors qui sait, peut-être qu'il connaîtrait comme ça le même sort que Kadhafi. Mais encore une fois, chaque problème a sa solution. Soyez courageux et dites stop. Tournez-vous comme ça vers l'armée russe et affirmez toute votre souveraineté
et votre puissance devant nos ennemis. Cependant, il n'en reste pas moins que vous avez trahi votre nation et que vous représentez une honte au regard de toutes les personnalités politiques mortes et vivantes qui se sont battues pour notre continent. Alassane Dramane Ouattara et Macky Sall, avec le maître à penser et à gouverner, du côté du Sénégal, Macky Sall risque, à cause de ses agissements, de déclencher une véritable guerre civile. N'entendez-vous pas comme ça la colère du peuple sénégalais? Pas de troisième mandat. Nkamewa. Pas de troisième mandat. Lorsqu'un chef d'État en Afrique prend goût de la présidence, des privilèges, des cortèges extraordinaires, des soldats et de véhicules blindés assurant sa protection, il ne s'imagine pas se réveiller un matin sans avoir accès à tous ses honneurs, quitte à provoquer comme ça une guerre dans son propre pays, mettant la sécurité nationale en danger. Mais cette fois-ci, je m'adresse à la jeunesse et aux habitants de ces pays, nos deux pays assujettis par la politique de nos différents présidents qui ne veulent rien entendre. Vous êtes les seules personnes à pouvoir comme ça changer notre histoire, cette histoire. Nous sommes donc les seuls à pouvoir le faire. Nous sommes les seuls à pouvoir changer notre histoire. Ce n'est pas en immigrant ou en comptant seulement sur les réseaux sociaux ou sur une aide extérieure que la situation de nos différents pays changera. Au contraire, si nos différents pays font l'objet de toutes ces dégradations, c'est à cause des magouilles et conspirations venant des pays extérieurs. Est-ce que vous savez que le roi Louis XVI a été jugé et tué par les révolutionnaires français? Les Français n'ont pas comme ça attendu. Les Français, c'est-à-dire ces Français-là, ils n'ont pas attendu qu'un pays étranger vienne à leur secours. Ils ont pris leur destin en main. Je ne suis pas donc ici en train d'inciter à la violence. Je n'incite pas à la violence, au contraire, je lance un signal d'alerte aux dirigeants africains. Faites très attention. Messieurs les chefs d'État, messieurs les dictateurs, un nourrisson ne reste jamais nourrisson toute sa vie. Il finit toujours par grandir. L'avenir donc des pays africains n'est pas scellé. L'avenir des pays africains n'est pas scellé et le futur de leurs populations aussi. Tous ces chefs d'État, ces marionnettes ne changeront pas. Ils travaillent pour eux-mêmes et non pour le peuple. Alors, l'heure n'est plus aux plaidoiries, mais aux agissements. C'est ça qui est la vérité. Alors, peuple sénégalais, peuple ivoirien, forces armées de Côte d'Ivoire, forces armées du Sénégal, en tout cas, soyez à partir de maintenant les acteurs de votre destin et non les spectateurs. Peuple du Sénégal, peuple ivoirien, armée de ces deux pays, soyez à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, les acteurs de votre destin et non les spectateurs. Au nom comme ça de notre jeunesse, au nom de notre souveraineté, au nom de notre liberté, au nom de notre dignité, il faut être les acteurs de notre destin. C'est ça qui est la vérité. Vive l'Afrique de la liberté et abat nos ennemis. C'est ça qu'il s'agit. Macky Sall doit tomber. Alassane Dramane Ouattara doit tomber. Je ne suis pas, une énième fois, je vais encore le répéter, en train d'inciter à la haine, à la violence, mais c'est plutôt un signal d'alerte que je suis en train vraiment de faire passer. C'est très important. L'Afrique, c'est notre continent et nous devons vraiment actuellement, c'est plus que jamais urgent de sauver notre continent qui a plus que jamais besoin de tous ses enfants. Voilà. On va rapidement écouter le KGB depuis donc les États-Unis qui a parlé très fort. Alassane Dramane Ouattara, je vous ai dit, doit tomber. Parce que ce n'est plus normal ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Écoutez cette vidéo, écoutez, c'est-à-dire ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. C'est tellement grave. Écoutez ça, c'est très important. On y va. Pour faire bâtir la Côte d'Ivoire du nord au sud de l'est, un passe-passe, CHR, il a aidé nos parents à mettre en place leur culture de chaque
ville de la Côte d'Ivoire. Oufa financier, il n'est pas un présenté là. Faut respecter Oufa, les gars. On peut tout dire du monsieur. Il n'a pas été parfait. Mais Oufa là, c'est pas vos camarades. Ne vous confondez même pas à lui. Vous, là, vous ne vous atteignez même pas la cheville même d'Oufa. Goudou vous dit que vous votez Ouattara. Oufa a mis Goudou dans Côte d'Ivoire là. Son Goudou là, jusqu'à aujourd'hui là, c'est là. Pour vous voir ramener là, son Goudou là, qu'il met un Goudou bien dégradable. Ça disparaît. Au bout de 3 mois, 4 mois, il faut encore revenir et mettre ça. C'est quel goudron ça? Et respectez Oufoué. Quand vous voulez vous mélanger, vous voulez vous confondre, vous voulez vous donner des affinités d'Oufoué, arrêtez de mentir aux gens. C'est les gens qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire qui parlent au hasard. Nous, on ne peut pas parler au hasard. Nous, on a vu ce que Oufoué a fait. Nous, on a vu ce que Oufoué a fait. À la différence de vous, vous là, rien. Zéro à la base. Une bande de têtards, une bande de voleurs au sommet de l'État de Côte d'Ivoire. 36 000 milliards de dettes sur nos têtes et on sort zéro. La jeunesse est en train de pleurer ici. Ouattara sort que je vais vous donner 1 milliard par jour. Jusqu'à aujourd'hui, là, c'est 1 milliard. Là, personne n'a encore vu la couleur même de son âge. Personne. Personne. On ne défend pas pour défendre, les gars. Arrêtez d'être des moutons. On défend parce qu'on sait que nous aussi, on est à l'aise. Toi-même, tu dis que tu défends Daman et puis tu as été souffri. Tu défends quoi, champion? Toi-même, il faut t'asseoir, il faut réfléchir un peu. Autrement, dans la loi. Tu dis que toi, tu défends Daman, mais toi-même, tu as été souffri. Tu défends quel Daman? Daman est venu au pouvoir et vous a arraché tous vos bacas. C'est lui maintenant qui est en train de gérer. C'est lui qui était petit là, qui ont pris tout le secteur. Ils sont déjà assis contre eux, ils ont tout pris. Vous êtes sorti zéro. Ça ne vous fait pas réfléchir. C'est le même qui est venu mettre encore décret. Dans vos voitures, vous venez. Il est venu mettre bras dedans. Il dit non, plus de véhicules, tant. C'est comme si 5 ans ne rentrent plus ici. Et c'est 5 ans maintenant qu'il doit rentrer, pas plus que ça. Mais quand tu dis même véhicule de 5 ans doit rentrer en Côte d'Ivoire, il faut diminuer la taxe même des véhicules de 5 ans. Ils n'ont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Allez-y vous renseigner au Bénin, au Togo. Patrice Talon, ok, même si je ne l'aime pas, mais il a fait au moins quelque chose qui est louable. Il faut le saluer. Il a demandé à ce que les gens envoient de nouvelles voitures. Quand tu vois une nouvelle voiture, là, si tu as ton pays même dans là, on dit ça tourne dans 1 et 2 millions. Nouvelle voiture, s'il vous plaît. Chez vous, votre douane là, c'est 45 millions, c'est 20 millions, c'est 15 millions. C'est 10 millions, c'est 9 millions, c'est quoi? C'est la malchance. Alors ça, on me dit que la Côte d'Ivoire est dirigée. C'est ça, là. Dans ça, là, vous êtes. Dans la merde comme ça. Et quand on est en train de parler aux moutons, tu vois des zozos sont assis et ils pensent qu'ils sont toi là à l'école que les autres. Alors que zéro. On va écouter mon vieux père ici. Mon vieux, il faut parler un peu. Les moutons vont t'écouter. Tu as dit au palais, à Tegba. Combien on en trouve dans les pays qui sont nos bailleurs de fonds? Aller à Paris, aller à Hambourg, aller à Genève, aller à Strasbourg, aller à Francfort. Et est-ce que vous avez conscience que les Européens prennent l'argent de l'État pour construire ce type de tour à des fins d'administration simplement? 64 étages. Il a dit que je qui m'a. Étage. Vous pensez qu'en cas d'incendie. Il a dit que je moi qui m'a plu. Et j'avais déjà même parlé de ça dans mes lives. Madou Koulibaly, il a dit que je qui m'a plu. Il dit que si le peuple arrive à s'en sortir là, ça sera au peuple. C'est-à-dire que les milliardaires ivoiriens, ce sera leur rôle de dire que non, on veut bâtir ça. C'est pas l'État. C'est pas le travail de l'État. Et tous les jours, je vous dis ça. C'est pas le travail de l'État. Vous pensez que les États-Unis étaient bâtis sur fond étatique? Non, hein? Venez vous renseigner. C'est les investisseurs. C'est-à-dire que ceux qui ont eu l'argent, c'est eux qui ont bâti le pays, là. Il y a des villes même qui ont été bâties par des milliardaires. C'est moi qui vous dis ça ici. Vous pouvez vous renseigner sur l'histoire des États-Unis, vous dire. Renseignez-vous sur
Bill Gates, Warren Buffett. Ok, renseignez-vous sur les deux que je vous donne déjà là. Ils ont fait un gros boulot dans ce pays-là. C'est moi qui vous dis. Leur propre argent, ils ont pris, ils ont bâti, ils ont investi. Ils ont investi ça. Et vous les oiseaux là, vous venez travailler là. C'est comme ça. Et ça vous permet vous aussi d'avoir de l'argent. C'est-à-dire que pendant qu'ils ont mangé, non, eux aussi ils ont permis à d'autres personnes aussi de manger. C'est comme ça. Renseignez-vous bien aux États-Unis ici là. L'État, ils sont plus dans quoi? Vous allez comprendre. Vous allez comprendre certaines choses. Et c'est dommage. C'est pour ça que j'ai mal. C'est pour ça que j'ai dit que Ouattara doit affecter un budget aux mairies pour que les maires puissent travailler et ils seront notés. Je l'ai dit ici. Le maire qui ne travaille pas là, son peuple va le sanctionner. C'est tout. Est-ce qu'on a bien allé à l'école pour ça? On va venir dans l'école. Moi, le maire de Guimérois, en train de framponner son coin, en train de dire mène. Et puis, j'ai moi. Non, mon maire, là, lui, là, tu le vois, c'est la petite fille de la maquille. C'est lui qui paye, on attend, il a payé une maison pour donner ici à tel go, à tel si. Alors que notre village est bizarre. Notre ville est bizarre. On va s'en prendre à qui? On va s'en prendre à nos maires. Nous, on attend les élections. Dès que. Dieu, on le voit. Ma voleur. Et puis même, tu vas aller t'expliquer devant la justice. Ici, aux États-Unis, tout dernièrement. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est ce qui nous manque en Afrique. On dit le chief officer, ok, de... Comment on dit ça en bon français, maman? Ceux qui vous donnent les plaques en Côte d'Ivoire, on les appelle comment là-bas? C'est quoi? C'est guichet unique ou bien c'est quoi? Ceux qui donnent les plaques en Côte d'Ivoire, on les appelle comment? Les plaques de voiture, là, ceux qui donnent ça en Côte d'Ivoire, on les appelle comment? Ceux qui connaissent la météo, non, moi je ne suis pas, je ne vis plus là-haut. Ceux qui connaissent la météo, non, je vais vous expliquer une histoire. Et elle est vraie. Le monsieur, il travaille dans un DMV ici. DMV chez nous ici, là. Ils font. Écoutez bien, je vous dis ce qu'ils font. C'est pour l'État. Ils font. Comment on appelle ça? Ils font les cartes d'identité. Ils font permis de conduire. Ils font plaque. Et puis là-bas, les gens vont payer leurs taxes, ok, de maison. Pour les quatre que je connais là, c'est ce qu'ils font. Mais c'est un guichet unique. Merci beaucoup. Donc le responsable du guichet unique là, ici aux États-Unis là, vous savez qui l'avait? Et dans une ville des États-Unis, pardon, dans une ville aux États-Unis. La plaque de sa belle-fille, ok, il a modifié les papiers là pour rendre la voiture là, comment on peut ça, genre clean quoi, clean title. De la façon dans le système. Et qu'ils ont envoyé, écoutez bien, c'est-à-dire qu'on envoie des gens pour venir les inspecter, pour venir voir sur le travail qu'ils font là, ok. Le travail est respecté à sa juste valeur. Ils ont fait audit. Merci beaucoup. C'est ça qu'on dit en français, audit. C'est dedans, ils ont un peu d'investigation, ils se sont rendus compte que, il y a un dossier qui est bizarre ici. Là. Ils ont fouillé. On se rend compte que non, que c'est la belle-fille du chief officer. C'est-à-dire que du patron du guichet unique. Il a falsifié le dossier de la fille. Imaginez ce qui s'est passé. Il va aller en prison. Juste pour ça, hein, il va aller en prison. Il n'a pas tué quelqu'un. Juste parce qu'il a falsifié, il va aller en prison. Mais je vois en Côte d'Ivoire, quand on vous dit ça net, c'est la guerre. C'est la guerre. Et c'est ça qui n'est pas bon. C'est pour ça que notre Afrique n'évolue pas. Quand vos frères viennent ici, là, ils respectent les règles. Je vous prends cet exemple-là pour vous faire comprendre quelque chose. Vous faire comprendre que il y a le travail de l'État et puis il y a le travail du public et du privé.
C'est pas mélangé. C'est des choses qu'on ne mélange pas. C'est des choses qu'on ne mélange pas. Donc imaginez le travail aux États. Pourquoi vos frères viennent ici là? Ils n'ont qu'à faire le désordre. Pourquoi ils ne font pas le désordre ici? Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils savent que s'ils font le désordre ici là, ils vont dans la maca. Ici on ne dit pas de mauvais rien. Tu fais le désordre ici, on t'assure là. C'est direct. C'est direct, on ne perd pas le temps, champion. C'est direct sur Maca, tu allais dormir là-bas. On va écouter mon vieux Pépi. Ça dit en haut, là-bas, vous allez encore appeler le 43e Bima pour venir éteindre le feu et sauver nos parents qui sont là-bas. Alors qu'ils ne peuvent même pas, nos pompiers ne peuvent même pas les sauver lorsqu'ils sont à 5, 6 étages à Trècheville. Vous pensez que Chicago a été bâti par les fonds publics, la dette publique? Vous pensez que les immeubles que vous voyez à Wall Street viennent de l'argent de l'État pour construire ces bâtiments-là? Rappelez-vous-même, vous-même, vous qui suivez beaucoup l'actualité des Américains, on dit Trump tard. C'est-à-dire qu'il a fait, non mais si vous avez vu ce que Trump a fait à New York, laisse tomber. Yeah! Et que moi-même, si je suis arrivé à New York et puis il a dit que ouais, moi, c'est un 10. C'est lui qui a construit ça. C'est parce qu'il n'a pas envie de. Attends, viens voir, c'est mon autre téléphone là ici. Attendez, viens voir si je peux vous montrer ça. Et mon portable est déchargé à plat ici. Attendez, hein. Non, moi, viens monter ce que Trump a fait. Il n'était pas au sommet de l'État qui faisait ça. Il n'était pas au sommet de l'État. Voilà. Regardez. Ça, c'est pour Tom. Regardez. Vous voulez voir, non? Non, parce qu'il faut qu'on vous montre. Parce que les gens pensent que quand on est en train de parler là, on est bête. Non, on n'est pas bête. On est en train de vous parler. T'as vu ce qu'il avait, non? Ah, bon, d'accord. Regardez. Il faut respecter les gens. Assemblement Ouattara, c'est un villageois. Il a dit vous blaguer. Vous pensez que les immeubles que vous voyez à Hong Kong, à Shanghai, c'est de l'argent du gouvernement qu'on prend pour construire? Non. C'est quand un pays devient riche, que les populations deviennent riches, qu'elles commencent à transformer les cases en maisons en dur, plus tard les maisons en dur en studio, en duplex, et puis après les duplex en immeubles, et puis plus tard les immeubles en gratte-ciel. Et il faut travailler à l'enrichissement des populations. Nous n'avons pas ce bâtiment-là, c'est 250 milliards de francs CFA au bas mot. Parce qu'avec les marchés à la Fakouri, ça commence comme ça, et puis ça se termine comme ça. Ha. Et la question. Est-ce qu'il a dit ça là? Il dit le marché à la Fakouri. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Il dit ça commence ici, ok? On dit 250 milliards, non? Et puis ça se termine là. Ça termine après de 2000, 3000 milliards. Et que vous ne. Il faut comprendre. Mais c'est important que vous écoutez ce qu'il dit là. C'est très important. Je vais décortiquer pour que vous puissiez comprendre. Les moutons là, vous allez comprendre. Que c'est l'escroquerie. La preuve. Le train Uber, que Draman dit qu'il voulait faire en Côte d'Ivoire. Ils ont parti casser la maison des gens, ils n'ont même pas relocalisé les gens. C'était un projet de, vous savez combien, 300 milliards. Et c'était les Chinois même qui voulaient faire le projet. Et bien, ils voulaient seulement 300 milliards. Et les Blancs ont fait parler avec Draman ici. Draman a pris le projet, il est parti le donner. On a 1 400 milliards, on n'a même pas encore vu visage même, ok, du train UB. Ça doit vous faire réfléchir. 250 milliards. Est-ce que cet argent ne peut pas servir à réhabiliter les CHU d'Abidjan? Merci. Est-ce que cet argent ne peut pas servir à équiper en scanner les hôpitaux d'Abidjan? Merci. Est-ce que cet argent ne peut pas servir à construire des places supplémentaires pour nos enfants qui font de la double vacation dans les différentes écoles que nous avons ici? Merci. Est-ce que cet argent ne peut pas
permettre de soulager tous ces fonctionnaires qui ont des mouvements de grève parce que leur salaire, parce que les arriérés de salaire ne sont pas payés. Est-ce que cet argent de l'État ne peut pas servir à faire autre chose qu'à aller construire un immeuble de 64 étages à 250 milliards de francs, là à Abidjan, à des fins administratives? Alors, vous pensez quoi? Vous travaillez, monsieur le président de la République, vous travaillez pour votre gloire, pour que plus tard on dise, voilà, c'est Ouattara qui a fait ci, c'est Ouattara qui a fait ça, ou bien vous travaillez pour le bonheur des populations ivoiriennes? Question. Vous travaillez pour votre bien, ou bien vous travaillez pour votre gloire? La question est posée parce que le petit palais, le viaduc, la sixième tour, c'est pas ce qu'il y a d'essentiel aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Si vous investissez dans la santé, si vous investissez dans l'éducation, si vous investissez dans la réconciliation, les jeunes Ivoiriens seront mieux formés, prospères et vont construire ce pays-là, construire ces tours-là. C'est aujourd'hui que Shanghai est en train de se construire. On casse les maisons basses et on construit des maisons hautes parce que la Chine est devenue riche, parce que les Chinois sont devenus riches. Voilà la question sur laquelle on vous attend. Si vous pensez, ceux qui écoutent, que ça, c'est des actes de détournement de l'argent public. Parce qu'il ne faut pas vous dire que oui, c'est l'argent de l'État. Non, c'est de la dette. La dette, c'est des impôts futurs. Les bailleurs de fonds qui nous donnent l'argent, bon, eux, s'en foutent. Hein? Cette dette de 32 ans, vous allez payer, vous les jeunes là. Quand vous allez terminer vos études, vous allez payer. Si vous pensez que ça, ce n'est pas prioritaire, ce n'est pas utile, il faut liker. Si vous pensez qu'il y a de meilleurs chantiers sur lesquels cet argent devrait servir, il faut partager. Nous avons besoin d'être nombreux pour freiner cette tendance à dilapider l'argent de l'État. Bye bye. Merci beaucoup, mon vieux père. Merci beaucoup. Bonjour. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, mon vieux. Vérité juste, nette, Egbe. La priorité, c'est d'aller embaumer les populations des discours fallacieux. C'est tout. Quand c'est ça, ils sont premiers, ils sont dehors. J'entends même qu'on dit, Draman dit que notre communication le dérange. Oui. Je vous le dis à vous tous. Draman dit que notre communication le dérange. Ça le dérange. La communication du président Franklin, même si le dérange, la communication des activistes le dérange. Ils disent que notre communication le dérange. Mais j'aimerais leur dire que nous sommes dans notre rôle. Il faut dire ça à Ouattara. Hier, il a fait. C'est la même communication là que Ouattara a fait contre Laurent Gbagbo. Il n'y a pas de différence. Nous sommes dans notre rôle de communicant. C'est malheureux, lui, son tour. C'est malheureux. Parce que nous aurions bien aimé que ce monsieur puisse, rehausser la Côte d'Ivoire à un niveau où l'Ivoirien, même quand il est couché, il mange. Et il mangeait dans sa bouche. Et puis il est content, il dit, ouais, on a un bon mauvais pouvoir. Mais allez-y demander à nos parents d'avant. Nos parents d'avant, ils ont pleuré au fouet. Quand on dit qu'on fouet est décédé, ils ont pleuré. Tellement autant de fouet, les niveaux étaient à l'aise. Au fond, nous n'a pas laissé des crédits, comme Ouattara est en train de les laisser en ce moment. Non. Et on vous a dit, avant, c'était des dettes qu'on pouvait nous pardonner. Non, Hassan Dorma Ouattara, là, il va à la banque pour aller chercher crédit là-bas. Avec les intérêts. Donc, vous m'imaginez. J'ai me reposer pour aujourd'hui. Ok, il faut qu'elle aille dormir, sinon c'est pas bon. Demain, on est au fond, on va attaquer. Je n'ai pas dit tout à l'heure nous allons faire un live encore, on va attaquer. Même merci à mon vieux père Mamadou Koulibaly, très belle vidéo.
Ouattara est en concurrence dans son cerveau, mais n'est pas en concurrence. C'est-à-dire qu'il n'est pas là, il n'est pas venu pour travailler pour Kiki, il est venu pour travailler pour lui-même. C'est pour ça que le vieux là a dit que, et le vieux père Madou Koulibaly dit que, c'est quoi le projet au juste? Aller construire, même faire un pont lumineux, pendant que les Ivoiriens, on est en plein délestage, en plein Côte d'Ivoire, en plein cœur d'Abidjan. On vit que dans le délestage. Ça fait pitié. Et quand tu veux parler, on dit non, taisez-vous. Non, on a le mouton de Ado. Bon frère, même s'il est musulman, ok, même si, parce que nous, tu sais qu'il n'est pas musulman, mais quand même, dis-tu la vérité? Parce que la souffrance a assez tôt duré. Maintenant là, c'est moi qui subis les dimanches fait pour dormir. Ça fait pitié. C'était ma petite vidéo, c'était le cas où je le coup. Partagez massivement, je vous ai dit, hein, abonnez-vous massivement à ma page TikTok. Nous devons atteindre les 1000 abonnés, on va commencer à faire les lives là-bas aussi. Voilà, comme Facebook fait le malin, on va aller attaquer TikTok maintenant. Voilà, parce qu'on ne peut pas venir faire vidéo et puis on a... Alors, chers amis, Afrique de Liberté, c'était donc l'intervention de votre humble serviteur, l'amiral Bafé, et aussi de KGB Le Grou, proche de M. Guillaume Kibafori, mon ex-mentor, et il est aussi cadre de GPS. Je le salue au passage. Si donc vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci de nous avoir suivi. Partagez, likez, abonnez-vous massivement. Activez aussi la cloche de notification pour ne pas rater nos directs. Activez la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Ça a été pour moi encore une fois de plus un plaisir d'être en votre compagnie en ce dimanche 18 avril 2023. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, Allah vous assiste. Encore une fois de plus, bonne fête de paix à toutes les paix du monde entier. Bonne fête de paix, de mai, pardonnez, à tous les moments du monde entier. À ce soir pour notre direct. Ciao, ciao. Mais Alassane Ouattara était mon père. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur.